guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de filmer un petit weekly vlog. Donc, je vais vous amener avec moi dans mon petit quotidien cette semaine. Et ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est faire du montage. Je sais, c'est pas vraiment entertaining pour vous, là. Mais on vient de recevoir notre table. En fait, il fallait attendre que ma soeur reçoive sa nouvelle table. Et nous, on prenait son ancienne table en bois. Elle est vraiment super belle. Donc, je vais vous montrer tantôt un petit sneak peek, mais pas le produit final parce que, encore une fois, je vais vraiment faire le makeover de la salle à manger slash la cuisine avec l'organisation et tout, là. Fait que c'était tout. Maintenant que le room makeover est publié, la série de makeover commence. C'est ça, fait qu'avant d'aller vous montrer la table, je voulais vraiment vous parler des petits produits. J'en ai déjà parlé sur Instagram par contre, mais il faut vraiment que j'en parle à ma vlog family. Dans le fond, tout ça ici, c'est comme mes nouveaux coups de cœur du moment. Je viens d'en rajouter un que je viens juste d'essayer, c'est la première fois et je l'aime déjà. Ça, je le connaissais déjà et j'ai vraiment tombé en amour. Dans le fond, c'est mon deuxième et l'autre d'avant était quand même plus foncé, mais c'était plus comme quand je viens de mettre mon fake tan. Puis celui-là, c'est un peu plus ma teinte pour tous les jours. C'est ça, dans le fond, c'est la crème hydratante TT Halo de Smashbox puis un FPS de 25 dedans, donc ça t'offre une petite protection urbaine un peu. Je vous conseille quand même de toujours mettre une crème solaire 50 pour vraiment avoir une belle protection. Fait quoi, ça fait un fini full naturel, c'est vraiment glowy, ça fait full un effet bonne mine. Je l'ai pas en ce moment malheureusement, mais je voulais quand même vraiment vous en parler parce que c'est genre, je l'adore. Sinon, ce setting spray là de Essence, c'est le Halo Good Stuff. Il sent tellement bon, dans le fond il est au watermelon. J'adore l'odeur, je sais pas s'il set vraiment bien là, genre mon all time favorite, c'est celui-là. C'est le All Nighter de Urban Decay. Il a une super bonne tenue, il est vraiment matifiant. Celui-là, je vois vraiment une différence. Celui-là, je trouve que ça ajoute un glow de plus vu que c'est comme une mist vraiment comme hydratante. Fixante, je sais pas, mais l'odeur. Puis le prix aussi, là, je pense que c'est seulement comme 5$. Fait que c'est vraiment worth it, je trouve. Et le dernier produit, c'est encore une fois de... ça, c'était la nouvelle collection de Essence. Mais ça aussi, ça vient de la nouvelle collection d'Essence. C'est le Lip Care Booster. C'est comme un sérum pour les lèvres et il est vraiment confortable. Je trouve qu'il me fait penser aux huiles à lèvres de Clarins, mais vraiment moins cher. Dans le fond, encore une fois, je pense que c'est 5 ou 7$. Essence, c'est vraiment pas cher. Fait que voilà pour mes petits favoris du moment. Ça fait seulement quelques jours, comme je vous dis, que je les utilise, sauf celui-là. Fallait vraiment que je les partage parce que ça vaut la peine jusqu'à date. Fait que c'est ça, je vais aller vous montrer la table. Ah, puis je voulais vous dire aussi, tous les produits que je vous ai montrés proviennent du Pharmaprix. Fait que je voulais pas faire 40 pharmacies, là. Pharmaprix, c'est tout là que je les ai trouvés. Regardez, c'est une petite table de bois avec comme les pattes full massives. Ça ajoute comme un petit côté moderne, mais le fait qu'on voit full le grain de bois, ça fait comme plus rustique. Ouais, j'adore ça. Je suis tellement contente que ma soeur nous aille faire cette table-là. Fait que stay tuned pour le big reveal. Elle est vraiment lourde, fait que souhaitez-nous bonne chance pour monter la table parce que... Ouh! Ok, es-tu prêt? On va monter ça. Ok. Alright! Ok, come on! I'm such a show-off. Ok, je vous montre un petit sneak peek de la table, avec la petite plante, les petites chaises. Je suis vraiment contente du résultat, puis j'ai full hâte de décorer puis ajouter les autres trucs que je veux faire, genre un mini bar, on va peut-être ajouter un buffet aussi, faire tout le coin entrée, parce que dans la salle à manger, c'est là comme notre entrée principale. À nous, quand on rentre, parce qu'on stationne notre auto comme en arrière. Fait que ouais, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Puis là, on s'en va faire des petites commissions, on va aller à l'éco-centre aussi, porter toutes les boîtes, là, des chaises et tout, là. Fait qu'on va aller porter ça, les petits déchets, on va peut-être aller au Dollarama aussi, parce que j'ai besoin de quelques trucs pour faire comme un drainage à mes plantes. Parce que je remarque qu'on dirait qu'il y a de la moisissure qui commence à se faire là, dans pas toutes mes plantes, là, genre juste les herbes dans le fond. Enfin, j'ai aussi un petit truc là, avec des roches, puis un filtre à café, puis tout là. Fait quoi, on va aller voir ça! Je suis vraiment fatiguée, excusez ma petite face, mais là on s'en va au Spa Bolton. Puis je pense que c'est vraiment bien mérité, ça va tellement nous faire du bien. Puis il fait quand même beau, il annonçait de la pluie ou nuageux. Mais à date on a comme des percées de soleil, fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis là j'ai fait tout un petit lunch parce qu'après le spa j'aimerais vraiment ça qu'on aille dîner quelque part là dehors sur une table à pique-nique ou quoi que ce soit. Fait que dans le fond dans le dernier vlog que vous avez vu, j'ai fait comme toute la meal prep. Ben là c'est ça qu'on va amener, donc la salade de patates, la salade d'orzo, on a coupé aussi des kiwis, des poivrons, on a
comme plein de petites choses pour avoir des petits snacks puis des bons repas. Fait que je vais aller vous montrer ça. Fait qu'on a notre beau couleur ici qu'on a acheté au Walmart. Fait que ça va être là-dedans. On va tout mettre les choses. J'ai déjà mis nos petites assiettes, des verres, des petits snacks. Là, on peut juste enlever ça puis on va mettre tous les trucs en dessous. Puis on a une petite pochette ici aussi. Où est-ce que j'ai mis comme napkin et tout là. Il y a même une petite nappe comme en plastique comme ça parce que la dernière fois, la table à pique-nique était pas tant clean. Fait qu'on va pouvoir manger là-dessus, les ustensiles. Fait qu'en tout cas, je vais sortir les petits snacks puis je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puis après ça, je vais tout pacter puis on va partir. But first, je dois couper les kiwis que mon chum a commencé à faire là. Fait que je vais couper ça puis après ça, je vais vous montrer. Fait qu'on a une bonne salade de patates, la salade d'orzo, des poivrons, des bleuets, des kiwis, puis j'ai amené aussi des petits trucs à boire. Donc c'est du kombucha de la marque Rise et ma saveur préférée c'est litchi et jasmin. Fait que là je vais mettre ça dans notre petit cooler. La réalité qu'on vous cache sur Instagram, on vient de rentrer dans l'auto pour manger parce qu'on a la chaîne de Hungary. Moi je pouvais pas, là, genre je me promenais avec mon assiette et je m'enlève, je voulais juste qu'il déborde le char. Puis était full après lui, parce qu'il sent trop bon. Puis on va manger dans l'auto. On aime ça la nature, on est fait pour ça. Le lendemain matin, je suis vraiment désolée, j'ai pas vraiment filmé hier. En fait, on est parti au spa, j'en avais pas comme 4 heures de temps là-bas aussi, là, fait que je voulais vraiment profiter de mon petit 1h30 au spa. Puis ensuite, on a arrêté de manger, faire un petit pique-nique, ben fallait quand même se dépêcher parce qu'il fallait vraiment que je revienne à une heure précise chez moi pour pouvoir me préparer, prendre ma douche, puis partir travailler à la pharmacie. Obviously, aussi, j'ai pas filmé à la pharmacie, puis quand je suis revenue, on a vraiment pris ça relax, j'étais quand même très fatiguée. Fait qu'on a écouté un film relax, c'était pas vraiment relax, en fait, là, on a écouté...
Summer. En tout cas, je me rappelle plus du nom, mais c'est fucké, là. C'est genre avec une secte, puis il arrive plein d'affaires vraiment weird. C'était le pire choix de film à écouter avant de s'endormir. Il a fallu qu'on écoute un autre film après d'humour pour se changer les idées, parce qu'on était comme, on est vraiment pas prêt à aller se coucher, là. Genre, j'ai comme un petit trauma. C'est pas comme un film de peur, c'est juste tellement fucked up. Puis oui, il y a comme des scènes un peu d'horreur dans le sens, genre, morbide, puis il montre tout. Fait que bref, je me suis couchée encore vraiment tard. Je pense qu'il était comme 3h30, 4h du matin quand on s'est couché. Je me suis levée vers 10h ce matin. J'ai des petits yeux, je suis quand même fatiguée. Puis j'ai des crampes menstruelles. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon corps, avec mon stérilet. Mais j'arrête pas de tomber dans ma semaine. Comme aux 2 semaines, je tombe dans ma semaine. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai des crampes. Puis ce matin, quand j'étais allée aux toilettes, j'avais un peu de sang. Fait que je suis comme vraiment là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je retomberais encore dans ma semaine? Normalement, avec le stérilet, je suis comme dans ma semaine aux 3 mois. Puis là, en dedans de genre 1 mois et demi, je l'ai été comme 4 fois. Je vous en parle parce que je sais que je suis pas la seule à avoir un stérilet. Enfin, je sais pas si ça a rapport. Ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai. Normalement, c'est aux 5 ou 6 ans que tu changes. Je sais pas, mais je le partage quand même au cas que quelqu'un vit la même chose. Puis qu'il trouve un remède pour ça ou que ça veut dire telle affaire. Parce que dès que tu le googles, c'est genre t'as le cancer des ovaires. Mais oui, je pourrais aller voir un médecin, mais là, ça me fait juste du bien d'en parler. Fait que le monde qui dit c'est parce que t'es juste allé chercher de l'aide professionnelle. Je sais. Fait qu'en bref, je vous dis un peu tout ça parce que je comptais faire genre une grosse journée full de clean-up pis genre être full productive. Mais vu que j'ai comme des crampes, j'ai chaud pis je me sens bof, ben ça va être vraiment relax. Fait que je vais plier des serviettes, ma tonne de linge que j'ai lavé hier. Pis j'aimerais ça replanter mes herbes parce qu'on dirait qu'il y a comme de la moisissure là qui commence un peu. Pis c'est parce que mes pots, ils ont pas de trous pour que l'eau s'évapore. Fait que ça se peut que ça soit à cause de ça. Fait que ouais, je vais aller plier les vêtements. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. Bon, je pense que les pilules y ont aidé. J'ai un petit peu moins mal au ventre que supposé. Je suis vraiment désolée aussi pour le bruit du ventilateur. C'est juste qu'il fait tellement chaud. Je veux vraiment faire comme un courant d'air, là, puis amener l'air de l'air climatisé dans l'autre partie de l'appartement. Fait que je vais vous montrer mes petites plantes. Fait que t'as le persil, sincèrement, c'est vraiment pas si pire, là. Si on regarde la terre et tout, là, il y a comme pas vraiment de moisissure. Mais le romarin, là, genre arc. Fait que j'ai aucune idée, est-ce que je fais juste le rincer? Parce que comme il continue de pousser pis il est vraiment pas mou là. T'sais, une plante qui est en train de mourir, genre ça devient dégueu là. Fait que je sais vraiment pas mais checker la terre là. Genre faut vraiment que je change ça, ça m'écœure. Je vais bien le rincer, je vais voir comment elle va. Celle-là va super bien aussi mais je vais le faire quand même, rentre dans toutes les plantes. Celle-là, elle aurait vraiment besoin d'un petit trim. Elle aussi là, on voit là qu'il y a comme la petite moisissure qui s'est un peu build up. Je vais tout changer la terre et le petit truc que je vais faire, je vais vous montrer les trucs que j'ai acheté. Dans le fond, je suis allée au Dollarama. J'ai acheté des petites roches comme ça. Fait que je sais pas encore, je vais prendre eux ou ceux-là ici. Qui ont comme de la petite poussière là. Fait que je vais vraiment comme super bien les rincer. Et j'ai acheté les filtres à café. Fait que dans le fond, le plan c'est de mettre des roches dans le fond du pot. Ensuite, mettre un petit filtre à café. Puis remettre de la terre avec la plante. Je vais essayer ça. Je vais croiser les doigts pour que ça fonctionne. Puis au pire, je vais reparler dans un prochain vlog là, pour vous dire si ça a fonctionné ou pas. Fait que je vais aller rincer les petites roches. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Voilà à quoi ça ressemble. On voit plus du tout de moisissure.
peinture. Fait que c'est sûr, je viens juste de les replanter, là. Mais ça fait du bien. Je leur ai comme donné un petit bain en même temps, là. Je les ai rincés. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont rester comme ça. J'ai nettoyé le persil. J'ai nettoyé celui-là aussi. Fait que non, j'espère vraiment qu'ils vont aller bien. La dernière chose que je voulais faire, c'est les arroser. Sorry, j'ai manqué de batterie, mais c'est sûr que je vais vous redonner un update par rapport aux petites herbes. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Fait que là, je pense que je vais faire un petit peu de montage puis avancer dans d'autres petits trucs. Comme je dis, je fais so-so aujourd'hui. Je recommence comme à avoir des petites crampes on and off, puis j'ai chaud là. J'ai tellement chaud, il fait super humide aujourd'hui. Fait que j'ai comme envie de comme rester tranquille, pas bouger partout, hein, faire du ménage puis avoir encore plus chaud là, parce que ça me rend impatient. Moi, la chaleur là, ça fait deux, sauf quand je suis en vacances. Sur le bord de la beach, quand je peux aller dans la mer, dans les piscines. Tout ça, c'est correct parce que c'est dans un mood de vacances. Mais quand je suis chez moi puis que je suis posée à être bien, ça me rend sans connaissance. Genre, j'ai besoin de mon air climatisé. Fait que je veux juste aller m'installer tranquille, près de l'air climatisé, avancer dans mes trucs. Dans le fond, on est mercredi aujourd'hui et il va y avoir un match de hockey ce soir. Donc, on va aller voir ça chez les parents de mon chum. Puis en même temps, on va se faire un petit souper ensemble. Là, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc, en même temps, ça va me faire décrocher. Puis sinon, on va se revoir demain. Retrouve dans ma salle de bain, j'ai sorti de la douche, je m'apprête à faire ma petite skincare. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu, encore une fois, ça va être super relax. Faut que je me mette un petit fake tan. J'étais encore en gros struggle à me dire est-ce que je filme une vidéo régulière aujourd'hui ou si je le fais demain. Parce que là, by the way, ça va mieux, genre les crampes, j'en ai pas eu ce matin. Puis je pense que je vais prendre quand même ma médication comme aux 4 heures. Ma médication, je dis ça comme si c'était full prescrit, mais c'est des midol. Ça m'aide quand même dès que je sais que je tombe dans ma semaine, là. Comme ça l'aide pour les symptômes, autant pour les migraines, les maux de ventre, les sautes d'humeur. Mais sinon, pour prévenir mes crampes, parce que ça me tente vraiment pas d'en avoir ce soir, là. Ben, je pense que je vais les prendre comme aux 4 heures. C'est ça, là, pourquoi je veux vraiment pas avoir des crampes ce soir. First, c'est vraiment pas nice, genre, j'en veux jamais. Mais j'ai un bel événement spécial. Dans le fond, mon chum joue de la musique. Il est drummer, son band. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas entendus jouer live. Avec la COVID, je pense que ça fait comme un ou deux mois maximum qu'ils ont vraiment recommencé à faire des shows avec l'ouverture des restaurants. Il a pu recommencer à jouer. Fait que, en tout cas, ça fait full longtemps que je les ai pas entendus. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de me faire un petit fake tan. Puis normalement, quand je fais un fake tan, je fais pas grand chose. Je veux comme faire du montage, modifier des photos, tu sais, faire des petits trucs comme ça. Mais dès que mon fake tan va être prêt, je le garde environ comme 2-3 heures. Je vais le rincer, mettre de la crème. Après ça, je vais commencer à me préparer. Fait que je vais tous vous montrer comme mon petit make-up du moment, comment je fais mes cheveux. Si j'ai le temps, ça se peut que je les laisse comme sécher naturel aussi, là. Fait que bref, c'est ça le plan aujourd'hui. Demain, je vais avoir beaucoup de montage à faire de la vidéo que vous regardez présentement parce que je travaille vraiment tout le week-end à la pharmacie. Donc, j'aurai rien d'autre vraiment de pertinent à montrer. Et le soir, probablement que je vais vraiment focusser montage aussi. Fait que c'est ça, c'est comme notre dernière petite journée vraiment officielle où est-ce que je vais vous parler, vous montrer un peu mon quotidien. C'est pas un quotidien que j'aille toujours des shows, là. Mais comme, je voulais vraiment vous montrer comment j'ai get ready. Fait que là, je vais mettre juste les produits dans mes cheveux parce que je l'ai pas mis encore. C'est ça ici, je vous en ai déjà parlé. Puis pour démêler mes cheveux, j'ai ce produit-là. Puis tout ça, ça se trouve dans des salons. Dans le fond, je mets comme tout ça. Puis c'est ça, mes cheveux sont quand même secs là, aux pointes avec le blond. Là, fait que j'aime ça en mettre beaucoup. Puis comme vous pouvez voir, l'huile, je l'ai mis comme directement comme ça. Puis je le mets dans mes cheveux comme ça. Fait que c'est ça, je vais faire un petit peu de montage. Je vais les laisser sécher. Puis on se revoit après pour le make-up. Ok, là ça va être un make-up vraiment vite parce que ça m'a pris comme une heure de trouver un outfit. Que genre, je vais pas avoir trop froid ni trop chaud parce que c'est comme un événement de soir. Fait que là, je sais qu'il va faire comme plus frais. Puis j'ai tendance des fois à être frileuse. Fait que là, en tout cas, ça m'a pris tellement de temps de trouver un outfit. Fait que en tout cas, le grand struggle. Donc, first thing first, prendre la crème hydratante teintée Hello de Smashbox et la couleur c'est Light. Je vais mettre un peu partout. Puis là, je l'étends avec mes doigts. Normalement, je la mets avec un pinceau. Mais là, je veux être quick. Puis je vais juste comme blender le tout avec un pinceau. Je vais appliquer mon concealer, c'est le Everlasting Concealer de Clarins. Et la teinte, c'est 00 Very Light. Fait comme un super beau fini naturel. Je le porte souvent, là, tu sais, quand j'ai pas de fond de teint, ça se blende super bien avec la peau. Pour la poudre, je vais prendre la poudre de translucide de Laura Mercier. Pour le contouring, je vais prendre la palette Sculpt Squad de Catrice. Je vais prendre la couleur Shape. Ok,
j'ai probablement genre les pires faces parce que je me dépêche full. Pour le bronzer, je vais prendre le Butter Bronzer de Physician Formula. Hope it's gonna look good. Sérieux, je suis en train de faire le challenge en ce moment. Je pense que j'ai quand même des skills avec ça parce que je suis tout le temps en retard dans la vie. Là. Donc pour le blush, je vais prendre le Juicy Couture. C'est le Bows Before Bows. En tout cas, vous voyez dans le close-up anyway. Pour le highlight, je vais prendre un de Makeup Revolution. C'est le Highlighter Reloaded. Je peux avoir des nouveaux produits, là, sincèrement. J'utilise genre toujours les mêmes ces temps-ci. Maintenant pour les yeux, je vais prendre ma fameuse palette Mini Controversy. Je l'aime tellement. C'est de la compagnie Jeffree Star. C'est une collab avec Shane Dawson. Donc je vais mettre partout sur la paupière la couleur Cry on My Couch. Les noms des eyeshadows, c'est vraiment drôle. Puis tout dans le creux de ma paupière, je vais mettre Diet Root Beer. Puis je vais surtout comme concentrer à l'extérieur. Je vais ramener au milieu. Je vais en mettre aussi sous mes yeux comme ça. Normalement, je me ferais une ligne de liner avec de la poudre comme brune foncée ou noire. Mais là, j'ai pas le temps de faire ça. Fait que je vais juste reprendre le highlight de mon visage. Puis je vais en mettre à mon coin interne. En dessous du sourcil aussi. Là, je vais venir recourber mes cils avec un recourbe-cils gold de Shiseido. Normalement, il est comme gris. Le gold, c'était genre une édition limitée. Mais ça, c'est vraiment genre la bonne forme pour les yeux, je trouve. Parce que sinon, les autres, soit les cils, ils pognent dans le mécanisme. Ou sont trop gros, ou trop petits, ou trop courbés, ou pas assez courbés. En tout cas, celui-là, je le trouve vraiment parfait. Pour le mascara, je vais utiliser le Vegan Collagène de Pacifica. Faut vraiment que je fasse attention. Je me suis beurrée pareil. Bon là je sais, je suis vraiment beurrée, mais je vais le laisser sécher puis après je vais l'enlever avec un Q-tip. Pour les lèvres, je vais prendre mon Iconic Duo. C'est un rouge à lèvres liquide de L'Oréal. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais le numéro c'est 428. Oh hey, ma batterie a lâché. Je pense que je t'ai rendue... Ah oui. Puis après que je l'ai appliqué, j'enlève le résidu avec un mouchoir. Puis après je mets comme un lip gloss qui est plumpy en même temps, fait que ça picote un petit peu. C'est le Lip Maximizer avec l'acide hyaluronique qui est vraiment un ingrédient comme super hydratant qu'on crée naturellement. Ça c'est de Dior, je l'avais eu en cadeau. Fait que ouais, je vais faire ça. Puis là, avant que j'oublie, je vais enlever le mascara sur mes paupières. Tada! Comme si je m'avais jamais beurré. Pour finir, je vais mettre un petit setting spray. C'est pas le best pour fixer, mais il sent tellement bon. Il sent le watermelon. Ça, c'est de Essence. C'est le Hello Good Stuff. Je le mangerai pour vrai. Mes cheveux ont l'air d'une crotte, mais comme je vous dis, j'ai vraiment pas regardé le temps, je suis tout en retard. Donc je vais arrêter de vous parler, je vais aller arranger un petit peu mes cheveux et je m'en vais à cette soirée. Ok, bye! Je garde mon chien aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'avoir, on va l'avoir tout le week-end dans le fond. Puis là j'ai tout bien fait mon lit, puis j'ai emmené mon trépied parce que je m'apprête à filmer une vidéo. Fait que ça va être la première fois que je vais filmer une vidéo avec comme un beau petit background. Je sais pas encore comment je vais placer ma caméra là, mais non non. Elle t'a fait tout mon lit quand t'as fait ça. Bébé! Non non. Checky ce que ça fait avec ses griffes. Oh my god, Titi! Il est trop cute pour que je sois mal. J'ai ouvert ma fenêtre, puis on entend les petits birdies. Puis il fait comme quand même frais aujourd'hui. Mais oh my god, j'aime tellement ça avec le petit voile là. Genre l'intimité que ça donne dans la chambre, c'est vraiment cute. J'en reviens pas que je peux enfin vous montrer ma chambre. C'était tellement comme un secret pendant longtemps. Là. Oh my god, je tripe tellement sur ce miroir là du Structube. C'est un dupe des miroirs d'Anthropologie, mais c'est moitié moins cher. Genre les détails de ce miroir là. Oh my god. God que c'est beau. Je viens de vous setuper sur mon chandelier. C'est quand même genre un vraiment bon angle. C'est full lumineux en plus avec ma lentille. Fait que c'est ça là, je vais m'apprête à filmer un petit haul pour l'été. J'ai choisi quelques morceaux de vêtements, des maillots sur Fashion Nova. Fait que je vais tout vous montrer ça. J'ai déjà plein de coups de cœur, surtout dans les maillots. Je les trouve super beaux. Puis j'en avais partagé un avec des petits lemons là, dessus sur Instagram. Puis il y a tellement de personnes qui l'ont aimé, je comprends pas. Genre il y a eu 350 personnes qui ont cliqué sur le lien pour aller l'acheter. Genre... J'ai rien compris. Les stats, j'étais comme wow. Puis sinon après j'ai beaucoup de montage à faire. Mais c'est ça, ce sera pas une journée si patiente que ça parce qu'il y a beaucoup de behind the scenes que je fais que vous allez voir anyway plus tard. Ok, je m'en vais filmer dans ma chambre pour la première fois. Woohoo! Pourquoi je fais peace? Je fais tout le temps peace. Genre sur Instagram aussi là, pour dire bye là. Je sais pas pourquoi je fais ça. Peace and love everybody. Ok bye.
Hello, on se retrouve plus tard dans la journée. Il est environ 6h, j'ai enlevé mon make-up parce que ça me tentait de commencer la soirée vraiment avec une bonne skincare. Puis j'étais juste tannée d'avoir mon make-up parce que j'ai eu vraiment chaud. Puis on dirait que quand j'ai chaud, j'ai l'impression que ça l'ouvre mes pores puis que là mon make-up il rentre dans ma peau. Fait que là j'avais vraiment besoin de nettoyer mon visage, mettre ma skincare. Fait que mon fashion haul est terminé, les close-ups sont faits. Là je m'apprête à faire le montage du vlog que vous regardez présentement. Il me reste à finaliser quelques trucs. C'est ça, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Alors j'espère que vous avez aimé le petit vlog d'aujourd'hui. C'est le cas, vous pouvez me laisser un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2 M. Je publie vraiment quotidiennement en stories. Et voilà, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!